Et voilà le trabajo. Moi je rigole pas. Hein. Lancement du scan. Scan de l'identifiant. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Arme détectée. Donc j'ai changé mes chaussures. Jusqu'au départ. Acte décontamination de la combinaison. Chaussures en mauvais état. Remplacement conseillé. Ok, une commande pour Sam. Du coup, on... oh putain, on a encore un autre endroit à aller. Et merde. Oh putain, j'en peux plus. Merde. Donc comme d'habitude ça, allez 3 même. J'ai même limite 4, mais bon, ne soyons pas fous à ce point. Donc ça, j'en prends une paire. Le robot, j'ai pas besoin. Ah, et un comme ça. Un comme ça, ouais. Allez hop. Ça va, ça. Ah putain, si en. Non, ça va. Et dire en Crystal Hero, c'est cher, mais. Tout le reste que j'ai, quoi. C'est pas très cher, quoi. Ça, je vais le mettre. Hop là, faut bien équilibrer. Hop. Et voilà, mais il n'y a pas le choix, ça là. Hop, hop. 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 Et ça, voilà. Hop. Voilà, voilà. Ok, bon, mais. Ok. Ah non, et. Ah, j'ai des trucs quand même entreposés. Ce que je voulais faire, c'était ça. Voilà là. Commande attribuée. Putain, incroyable. On est parti. Hein. Après là, ça va, il y a deux trucs. Du coup, si je vais par là. Vers là. Je pourrais peut-être mettre une éolienne d'ici jusqu'à là. Et de là, là. Et ensuite, je me démerde. Putain, mais qu'est-ce que je suis sérieux! Incroyable! Et ah oui, je voulais mettre un générateur aussi parce qu'il n'y en a pas ici. Apparemment, personne n'y a pensé. Bon, je vais le mettre là-bas, à côté de la tourelle et de tout le chouin-chouin. Donc hop, celle-là. Je comprends pas pourquoi je peux pas le mettre. Ah, ok. Faut pas que ça se touche, quoi. Là. Je vais devoir attendre. Ok, ça c'est bon. On est chargé à bloc. Putain, j'espère qu'il faut pas que je fasse toutes ces montagnes là-bas. Putain, ça donne pas envie. C'est un jeu et j'ai l'impression de travailler, quoi. Start tout bas. Donc là j'ai une éolienne. Une tyrolienne, pardon. Les autres, je les vois pas. Myrthe, Robyrthe. C'est dommage. Pour la relier là, on aurait fallu. Ouais. Celle-là, elle serait plus vers là-bas, mais je pourrais pas atteindre celle-là. Quoique, on va y aller. Il y a le fond, ça veut dire que j'ai un gros radin là. Non.
Ok, on a une éolienne là-bas. Putain, une tyrolienne. Et merde, attendez. Ok, c'est bon, j'ai les mines là. Malin comme je suis. Je l'ai mis à un endroit bien stratégique, elle donne sur toutes les autres tyroliennes. Ça. C'est fou, j'en ai marre de bien réfléchir, c'est grave. Avec un peu de chance, on pourra toucher celle qui... Ah non, celle qui est là-haut. Eh merde. Putain, c'est dommage. Fais chier. Mais comment je pourrais faire? Au pire, mais je devrais y remonter et la construire juste à côté. Bon, il n'y a pas le choix de la descendre. Merde. Hop. Putain, elle est juste là, fait chier. Putain, qu'est-ce qu'il est con ce gars. Y'a pas un gars qui nous a mis un petit chemin là, par hasard? Non. Non, pas vraiment. Merde. Oh, t'as pas prévu lui. Ciao. Ah, y a des poissons et des crabes. Ah, là il me cherche. Et merde. Il se rapproche, pas trop, il me lâche pas. Faut que je puisse juste monter par là, là, et je pourrais attendre l'échelle et le grappin. Allez. Allez, Sam Porter Bridges. Oh, elle est tombée d'un coup, là. Voilà. Normalement on peut pas monter comme ça mais bon. Voilà, je vais pas dire non. Faut pas que ça tombe, faut pas. Voilà, merci. Okay, accroche-toi. Voilà. Elle est où la corde, merde? Je l'ai vue en plus. De ma gueule. Elle est là. Un petit peu quand même. Ah.
Allez, go. Ah putain, elle va juste là. Bon, c'est déjà ça. Ok, l'éolienne, elle... Ok, la tyrolienne, elle est là, là. Okay. Je vais continuer plus haut. Pour vraiment... que ce soit rentable, quoi. Qu'elle puisse donner sur une autre... de l'autre côté de la montagne. Je vais la mettre au sommet. Putain, mais regarde-moi... Quel connard, franchement. C'est tout ce qui me vient à l'esprit, là. Là. Peut-être même la décaler un petit peu vers là. Putain, voilà, tu vois. Si là, regarde, elle donne là. Ça donne aussi sur là-bas. Punaise. C'était pas compliqué pourtant. Là, ben voilà. Putain, en plus elle est jolie, elle est bien. Elle est bien en haut. Allez, hop. Prochaine, je vais la mettre entre les deux. Vers là. Putain, on galère à monter pour tout de suite devoir redescendre, quoi. C'est ça qui est chiant. On va plus vite comme ça, je crois. Allez. Au sommet là, là où ouais, là où il y a les cailloux là, ce serait parfait. Putain, on est arrivé. Voilà, une ici. Et c'est bon. Ah oui, putain, le réseau. Putain, encore cette histoire. Ah putain, le retour, on va le faire, mais en bombe. Merci. Je lui ai donné le médicament. Et merde. Il va pas vouloir le réseau, je pense. J'espère que si, quand même. Elle dit qu'elle se sent déjà mieux. Je me fais pas d'illusions. Même si ça marchait vraiment aussi vite, le docteur a dit qu'il lui faudrait beaucoup plus que des antibiotiques. Elle attend notre enfant. Je veux la faire examiner dès que possible. Je vous en prie, il faut que vous alliez chez le docteur pour moi. Il a une sorte de machine, il pense que ça pourrait aider. J'ai pas tout compris. La connexion arrêtait pas de sauter. Mais il faut que quelqu'un aille la chercher. Prenez tout ce dont vous avez besoin sur cette étagère. Oh,
Prenez bien un manteau. Au travail. Nouvelle commande disponible. Putain, mais j'aurais aimé que tu me laisses mettre le réseau chiral, quoi. Oh putain, non. Putain, où est-ce qu'elle est, c'est... Oh là 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 là. C'est la souffrance. C'est chez le vieux, là, avec la fille. Le client a demandé que cette commande soit livrée le plus rapidement possible. Autrement dit, votre évaluation dépend de votre vitesse. Mais surtout, gardez bien à l'esprit que si vous travaillez en dehors du réseau, vous ne serez pas en mesure de fabriquer de nouveaux objets. Choisissez bien ce que vous emporterez parmi l'équipement fourni par le client. Le délai ne commencera qu'à votre départ. Alors, prenez le temps de sélectionner votre matériel avant d'y aller. Bah c'est tout vu, hein. Hop, hop, hop. 6 CP. Pour moi c'est bon. Non, il faut peu pour être heureux. Commande attribuée. Paramètres de livraison. Oh, sur la vie de ma mère. Dans limite enregistrée. Sam, étant donné l'état de santé de la patiente, je me suis permis d'ajouter un temps limite à cette commande. Une fois qu'il sera écoulé, vous pourrez toujours livrer la marchandise, mais je veux que vous fassiez le maximum pour le respecter. Je sais bien qu'on vous en demande toujours plus, mais votre unité bébé peut encore attendre un peu. Et puis renforcer le réseau qui râle là-bas devrait nous aider à le rendre plus efficace. Mais si tu sais que tu m'en demandes de trop, faudrait peut-être arrêter d'en me demander. Dès que je rejoindrai la tyrolienne, ça ira très vite. Je serais déjà arrivé, je pense. Le seul truc... Ah ben non, j'allais dire si cette pente là pour pouvoir monter, je la voyais très rude. Je me suis dit je pourrais peut-être pas la monter, mais non. Non, non. Rien n'est trop dur pour mes bottes. Ça c'est de la chaussure de complète ou je me connais pas. Ah merde. Oh et merde. Grouille-toi. Ça c'est quelqu'un d'intelligent, voilà. Pas faire plus mal, hein. Je fais ça. Ah mais je m'en fous, vous êtes trop. Ensuite de là-bas. C'est le truc le plus rapide qu'on ait dans le monde. Ensuite, là. Je suis trop mal. Et de là, je vais rejoindre celle que j'ai mis en haut. On est d'accord? Et merde. J'ai pas laissé le colis quand même, si. On est d'accord, c'était le docteur. Ouais, voilà, c'est le docteur. Ok. Voilà, et de là. Je suis fier de moi, et la dernière, par contre, c'est pas moi qui l'ai mis. Mais je l'ai réglé pour qu'elle soit en accord avec le stock. Mais je gère, c'est grave. Même le retour, on peut le faire. Accéder au terminal de présent. Vérification de l'identité. Accès au drone. Détecté. Vous voilà. L'alpiniste vient de me contacter. Le traitement que j'ai prescrit ne fonctionne pas. Il faut agir rapidement. J'espérais que les antibiotiques la soulageraient des symptômes les plus aigus.
mais on dirait qu'elle a déjà passé ce stade. Une infection de cette ampleur en fin de grossesse peut provoquer tout un tas de complications. Même si elle survit, des lésions cérébrales sont possibles. Elle pourrait même se retrouver en état de mort cérébrale. Alors, il faut que vous apportiez ce prototype de bio-imprimante et ce terminal médical à distance à l'alpiniste. J'espère que je peux le porter sur le dos. Si vous pouvez nous mettre en contact grâce au réseau chiral, je pourrai diagnostiquer la patiente grâce à cet équipement et lui fournir un traitement. Ils pourront transmettre leur code génétique à l'aide du terminal, ce qui me permettra de formuler un vaccin à ADN imprimé. Actuellement, seuls des vaccins à base de virus et autres composants non vivants peuvent être générés de cette façon. Mais les avancées futures feront peut-être sauter cette limite. Vous vous en doutez sûrement. Il s'agit de matériel fragile. Surtout, ne le cassez pas. Oh, merci. Il n'y a pas de quoi. Hop. Nice. Ok, bon, mais le même truc, mais en l'envers. Ah, l'envers. Surtout pas, non. On passe juste à côté. Salut les gars! Ça travaille dur! On se voit au café. Je suis encore subjugué par mon génie, par ma jugeote. Ah oui, voilà. Du coup, c'est ici que ça s'arrête. Mais c'est déjà bien. Et le dernier, je vais mettre tout le temps là-bas. Et l'affaire sera dans le sac. La même méthode. Ah, il y a les empreintes de mon passé dégagé. Ça c'est bien. À force de passer là, du coup, ça se dégage. Je viens pas de là, moi. Ok, on a la totale. Et normalement en très bon état. Livraison. Bon voilà. Oh, quel soulagement. Elle a du mal à tenir le coup. Heureusement.
heureusement que vous vous êtes dépêché. Le docteur nous a dit qu'il fallait une collection chirale pour que ça marche. Alors branchez-nous. On va rejoindre les UCA, quoi qu'il en coûte. Bon, allez-y. C'est quand même pour sauver ta femme, je sais pas. Oh putain, génial. Grand renfort. Oh putain, mais c'est quand que les bonnes nouvelles vont s'arrêter, quoi. Docteur. Ah, très bien. Je vais activer le terminal de mon côté. Un instant. Tout va bien se passer. Avec cet appareil, je peux l'examiner comme si j'étais sur place. Les outils du terminal reproduisent fidèlement mes mouvements. Et grâce à la bio-imprimante, je peux fournir un vaccin personnalisé. C'est vraiment dommage que ma moitié n'ait pas eu l'occasion d'en construire d'autres. Ce sont les seuls que nous ayons. Mais ne vous en faites pas. Nous allons faire tout notre possible pour vous assurer que votre enfant voit le jour sain et sauf. Merci. C'est incroyable. C'est lui qu'il faut remercier. Le réseau qu'il aide à bâtir va changer à tout jamais l'exercice de la médecine. Très bien. Personne ne s'inquiète pour la femme. Voyons ça. Vous nous avez apporté ce qui se rapproche le plus d'un docteur en chair et en os, Sam. Merci mille fois. Très beau travail. Le bébé 28 sera bientôt de retour sur le terrain. Le bébé s'accroche aussi. Accrochez-vous, Sam. J'ai du neuf, Sam. J'ai reçu une commande pour vous de la part d'un certain alpiniste. Elle implique de vous rendre dans une région pas encore couverte par le réseau chiral. C'est l'occasion rêvée de changer cet état de fait. Occupez-vous-en dès que possible. Au travail. Nouvelle commande. Il vous appelle toujours pour faire du travail, salaud. T'es, ni une ni deux, je vais les faire, allez hop. Un. Les gants renforcés, vous allez adorer. Ils améliorent considérablement la force des bras et la poigne. Quand vous escaladerez une paroi rocheuse à l'aide d'une corde, vous verrez que vous atteindrez le sommet beaucoup plus rapidement. Vous aurez aussi beaucoup moins de mal à soulever des charges lourdes. Un autre avantage non négligeable. Vous savez, quand vous dévalez une pente et que vous essayez de freiner votre chute avec les mains, ça vous est déjà arrivé, j'imagine. Eh bien, avec ces gants renforcés, vous arriverez à vous arrêter beaucoup plus rapidement. Promettez-moi juste que vous essaierez pas de frapper quelqu'un avec. Ils ont pas été conçus pour ça. Merde. Mais je vais pas je vais le faire quand même. Hein. Hop. Ah, parce que croyez-moi, déjà je vais en conduire. Hop, on les met aux pieds et on les met aux mains. J'ai 3 CCP. Merde, j'aurais dû en faire un quatrième au cas où. Et je vais en faire un quatrième, je vois pas pourquoi je chipote. Bon, hop. Non. Je vais le mettre au dos, puisque les autres sont au dos. Donc hop, je vais le mettre là, hop. Là, hop. Lui. Hop. Voilà. Et c'est bon. Bon, on prend la quête, chop. Oh punaise. Bon, quoique c'est pas si loin que ça, quoi. On va faire celle-là et on va s'arrêter. Hein, parce que ça commence à faire beaucoup.
je suis pas payé pour ça. Je suis pas signé pour ça. Moi. Commande attribuée. Ah oui, je dois en mettre une ici d'ailleurs. Mon frère, vous pouvez avoir... Les autres joueurs ils vont être contents quand ils vont voir que quelqu'un de manière fait quelque chose de mal. Vraiment à l'autre. Je l'ai pas oublié mais oui, là où il a foutu le la truc là, l'éolienne, la tyrolienne, quel salaud. À côté là-bas là, à droite. Alors, attendez, je vais faire mon itinéraire. Oh putain, oh merde, c'est tout au... Oh lolo. La base elle est là, ok elle est là. Donc je vais remonter ici. D'ici je descendrai. Ah non, je vais m'arrêter là, je vais prendre un camion, je vais déballer, débouler. Vers ici, j'en poserai une par là. Là, je vais aller chercher mon camion. Lancement du scan. Scan de l'identifiant buteuse. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Armes détectées. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Axe décontamination de la combinaison. Accès autorisé. Bienvenue, Sam Porter Bridges. Oh là là, lui son camion le pauvre, c'est une brouette quoi. On peut plus appeler ça un camion. Ah hé. Ok, ce putain je l'ai mis vraiment dans un bon endroit. Parce qu'on la voit de nous. Donc le seul hic c'est... Ouais, punaise. Ouais. C'est pas grave, je la mettrai en bas et elle remontera ici sur une que je mettrai au sommet là. Et une autre qui redescendra par là. Ok. Attendez. Non. Merde. Qu'est-ce que c'est quoi ces conneries? Ah merde. Ouais. Faut pas mettre quoi, il faut faire carré. Hop. Ouais, vers l'habitat là. De l'habitat, voilà, hop, nice. Ah c'est là, je vais le mettre en haut. Ça va, c'est pas parce que t'as de nouvelles chaussures que tu vas. Hein. Calme-toi.
le voit pas de là. Je continue à monter. Et merde, elle se voit plus. Merde. Attendez, dans le doute. Et MS. Merde. Je suis allé trop loin. Bon. Ok, on y est. J'ai réussi à poser une éolienne, une tyrolienne. Là, on va voir si on peut débloquer le réseau qui aura. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridger. Identifiant Fragile Express confirmé. Armes détectées. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchandises confirmées. Merci. Vous êtes chez Bridges, c'est ça? Elle, j'espère qu'elle est belle. Vous n'auriez rien d'autre pour moi, si? Cupidon? Non? Bon, laissez tomber. Je n'aurais jamais cru recevoir une livraison dans un état aussi impeccable. Oh merde, putain, elle va pas nous laisser à l'océan là. Il y a un truc vite, à nous demander. J'ai un service à vous demander. Et allez. Vous croyez que vous pourriez retrouver l'appareil photo de mon père? C'est une longue histoire, mais il menait des recherches sur le terrain dans la région. Mon père pensait que la clé pour comprendre le Death Stranding était cachée ici, quelque part dans les grottes et les strates géologiques. Mais il est mort avant de terminer son travail. C'est donc à moi de finir ce qu'il a commencé. Et il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé quelque chose de stupéfiant. J'étais sûre que c'était ce que cherchait mon père. Même si je n'arrivais pas à comprendre le rapport avec le Death Stranding. Il me fallait un avis d'expert. Trouver quelqu'un qui pourrait étudier ma découverte et me dire ce qu'elle signifiait. Alors, j'ai attrapé l'appareil photo de mon père et j'ai pris des clichés de ma trouvaille. Jusqu'au moindre détail. Mais sur le retour... J'ai repéré un groupe d'hommes armés et... J'ai paniqué. J'ai tout laissé tomber et j'ai pris mes jambes à mon cou. Heureusement, ils m'ont pas vu. Mais quand j'ai arrêté de courir, je me suis rendu compte que l'appareil photo n'était plus là. Depuis, j'essaie de rassembler mon courage pour aller le chercher. Et puis, je me suis rappelé que le boîtier était encore muni de son identifiant. Et je me suis dit que... Comme vous bossez pour Bridges, vous seriez peut-être capable de repérer sa position. Je vous en prie, je donnerai tout pour le récupérer. Je vais passer la commande. Il faut me comprendre. Cet appareil photo, c'est tout pour moi. Je n'arriverai à penser à rien d'autre tant que je ne l'aurai pas. Il y a un terminal juste ici, vous pouvez vous en servir si vous voulez commencer tout de suite. Tenez, c'est ce que j'emporterai si je devais y aller moi-même. Faites comme chez vous. Bah merci. Au travail. Nouvelle commande. On va s'arrêter là. La commande est déjà partie. Jetez donc un coup d'œil au terminal. Ah, il est fatigué. Je suis éclaté. Attendez, je vais le laisser se reposer. Attendez. Regardez-moi ça. Oh là là. Est-ce que je peux le faire dormir dehors? Dormir, allez, dors même le sol. Hein. Ah, on fait une pause nous aussi. Ok, la santé remonte petit à petit.
Mais la fatigue, non. Du coup, il faut vraiment que, genre, nous, on se barre, on aille faire à manger, un truc comme ça. Bon, mais allez, sur ce, je vous dis ciao. Et je vous aime. Bye.